Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à me montrer que vous êtes motivé pour une nouvelle vidéo. En tout cas, là, vous me l'avez montré sur la dernière vidéo sur le test. Aujourd'hui, on va tester une nouvelle fois, pas sur la cigarette, mais la cigarette électronique, une nouvelle saveur. Et franchement, je suis bluffé. C'est parti pour le générique. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, tout simplement, sur un test de cigarette électronique. Et ce que je vais vous dire, c'est juste super bluffant. Alors déjà, je vais vous expliquer une chose qui m'est arrivée avec ma cigarette électronique. Et Dieu sait que je n'avais pas utilisé ma cigarette électronique depuis le mois de septembre, depuis que je suis avec ma copine. Et je me suis dit, pourquoi pas s'y remettre, tu vois. Pourquoi pas s'y remettre, on va pas se cacher. Je voulais m'y remettre. Et moi j'ai été bluffé par un des produits. C'est pas cher, franchement c'est pas cher. C'est le goût thé vert. Et quand je dis c'est le goût thé vert, on a vraiment le goût thé vert. Mais le souci qui m'est arrivé, comme certaines cigarettes électroniques, c'est qu'il faut changer la mèche. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu prendre ma cigarette électronique, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un truc, tu vois. Je vais pour faire ma cigarette électronique, je mets le goût, machin chouette, et là ma cigarette électronique me fait des siennes. Quand t'aspires, ça fait pas. Bon, moi du coup je me suis dit, il y a un souci quelque part, il faut que je voie ça. On sait pas. Au final c'était la mèche qui était cramée. Ça m'arrive qu'à moi, en fait, ça arrive qu'à moi. Bref, on va passer au goût. Saveur thé vert, pardon. Donc c'est comme d'habitude sous un petit capuchon. Donc si je peux appeler ça une petite bouteille, on va me dire une petite capsule de thé vert. Donc c'est le thé à la menthe, voilà, comme ceci. On est très bien avec les mains, je pense. Voilà. Donc, on a vraiment une très belle contenance de produits. Donc, 12 en nicotine. Et franchement, j'en reste vraiment, mais vraiment satisfait. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Donc, on se retrouve sur la même cigarette électronique. Donc, la même, toujours la même. Par contre, je la kiffe. J'ai juste un truc de fou. On va passer maintenant au test. Et franchement, c'est encore un des trucs que je kiffe. Allez! Assez parlé, on y va, c'est parti. Donc déjà, faut que je l'allume, ça serait déjà pas mal. Voilà. Alors déjà, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand je fume quelque chose, il faut vraiment que j'ai l'odeur, tu vois. Et là, quand... Quand j'aspire la fumée, c'est on a direct l'odeur du thé. Tu vois, on a l'odeur du thé, et c'est ce que je cherche chez quelqu'un. C'est que quand tu achètes quelque chose, il faut que tu le sentes, tu vois. Faut pas que tu sentes la merde, faut que tu sentes la chose. On a une très très belle contenance, hein, franchement. Sur les cigarettes électroniques, on va pas se cacher, ils font des très très beaux produits. Bon, celle-là, ce que j'ai acheté, celle-là, je l'ai acheté chez mon magasin qui est juste à côté de chez moi. On va se cacher, elle m'a coûté un peu cher, mais franchement, je suis pas déçu. Très belle, très très belle fumée. Très belle odeur. Ça prend pas à la gorge. Et on a vraiment, c'est ce que je disais à ma copine, on a vraiment l'odeur du thé vert, parce que j'avais testé le bubblegum, c'était pas trop ça. Et là on a vraiment l'odeur du thé vert. Alors bien sûr, j'incite à personne de fumer, hein, je vous rappelle, dans toutes mes vidéos que je mets sur les cigarettes, je n'incite personne à fumer, c'est pas bien. C'est pas bien, mais moi je le fais, parce que je suis con, ça va tous. Ah. Donc...
Donc pour moi, je reste vraiment, vraiment, vraiment bluffé. Je reste vraiment satisfait de ce produit. Donc ce produit m'a coûté 5,90€ pour un contenant de je ne sais combien de milligrammes. Donc, normalement, il est marqué sur le flacon. Voilà. 10 milligrammes, si je peux dire, 10 millilitres ou 10 milligrammes, je sais pas comment on dit, bref, c'est pas en commentaire. Donc franchement, on a l'odeur, et je sais pas si je sens, on va ouvrir la bouteille. Alors ma cigarette électronique ne tombe pas, alors déjà ce qui est bien c'est que voilà. Ah ouais mon frère. Ça par contre, il y a un truc que je fais jamais, c'est que quand je prends ma cigarette électronique, je le mets directement dans le truc. Ah ouais, c'est oufissime, les mecs. On sent directement le thé vert, on a l'impression de mâcher un Hollywood chewing gum. C'est oufissime, c'est un truc de dingue. Ah ouais, franchement, c'est ouf. Franchement, c'est oufissime. Y a un site que je devrais vous conseiller, je le mettrai en barre de commentaires. C'est le Petit Vapoteur. Vous en retrouvez des cigarettes électroniques comme ça, vous en retrouvez des flacons comme ceci, mais vous avez plus de produits. Ça, je vous garantis, franchement, parce que c'est vraiment une très très belle boutique. On va passer maintenant. Donc, on a passé au test. On va passer maintenant sur la note de ce produit sur 10. Je donnerai quand même une très très belle note sur 10. Donc, un 9 sur 10. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir qu'une chose. C'est que moi quand je j'achète un produit, oula ma caméra l'a bougé. On va recommencer. Quand j'achète un produit, je suis toujours en train de prendre mon produit, je fais, c'est cool. Tu vois, quand tu ouvres le produit, t'es là, tu te dis, ah ça sent bon là. Là direct. Tu sens le truc, c'est ouf, c'est dingue, c'est une tuerie. Et franchement, j'ai envie de prendre le flacon et de boire, tu vois, de pas m'arrêter de boire. Bon, je le vois, je suis niqué, j'ai le cancer, allez hop, je suis bon pour l'enterrement, ramenez la mort, ramenez tout ce que vous voulez. Je suis bon pour les funérailles, tu vois. Donc, 9 sur 10 sur le flacon. On a vraiment la couleur du vert, du thé vert. Ça, c'est nickel, franchement, super à vous. Donc, c'est de la marque Pulp. Quand même on le voit comme ceci à la caméra, j'espère que ça fait un rendu super. Voilà, on a vraiment un très très beau flacon et franchement c'est vraiment, il n'y a rien d'autre à dire sur ça. Voilà, donc 12 en nicotine, c'est nickel, c'est parfait. Ma petite cigarette électronique restera la même, pas pour longtemps parce que je vais la changer dans quelques semaines je pense. Et puis voilà, c'est la fin de ce test, en tout cas je voulais vous remercier pour le dernier test que je vous ai fait. Vous êtes vraiment vraiment plusieurs, enfin des personnes à suivre mes tests. En tout cas je vous retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tests peut-être, j'espère, Inch'Allah. Et un jour, comme on dit, je me ferai une autre cigarette électronique. Allez, sur ce, très vite, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma nouvelle vidéo. Je vous kiffe, je vous surkiffe, à très vite. Ciao.